Merci, Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, chers collègues. J'ai deux interventions à faire. La première, je ne vais pas la faire trop longue puisqu'elle rebondit sur, elle prolonge ce qu'ont dit mes deux précédents collègues, mais force est de constater que nous sommes pris entre, d'une certaine manière, entre deux feux. D'une part, on voit que des membres importants de l'OTAN, les États-Unis et la Turquie, pour ne pas les citer, prennent une série de décisions unilatérales qui fragilisent l'ensemble de l'organisation. Des engagements des États-Unis en Syrie, des engagements dont les contours ne sont pas encore bien connus par ailleurs, mais tout de même. Et puis pour la Turquie, la question des FTF, l'offensive dans le nord de la Syrie, les forages à Chypre aussi, qu'il faut souligner, et puis une certaine forme de rapprochement avec la Russie. Cette situation-là nous coince entre deux horizons, deux perspectives. La perspective d'une stratégie purement atlantiste qui manifestement craque ou craquelle de tous côtés, et puis d'autre part, l'horizon d'une stratégie européenne de défense qui soit émancipée en matière de diplomatie, de reconstruction et de stabilisation. Et donc j'ai l'impression que tout ça nous met un peu à la croisée des chemins avec un gouvernement américain qui n'est plus toujours un facteur de stabilisation. Et on a déjà ici dans cette commission parlé notamment des dossiers comme celui de l'Iran où le désengagement des États-Unis de l'accord de Vienne provoque des troubles qui se poursuivent encore aujourd'hui. Donc par rapport à cela, nous on plaide pour s'orienter de plus en plus vers une stratégie de défense européenne qui a vocation à s'autonomiser des structures de l'OTAN, pas d'en sortir directement, mais petit à petit de pouvoir prendre notre politique de défense en main. Et donc la question est comment est-ce que vous envisagez le positionnement de la Belgique dans cette tension entre ces deux enjeux. La deuxième question concerne l'enjeu nucléaire. Nous, on pense aussi que l'OTAN ne devrait plus à terme faire du pilier nucléaire un de ses fondements et nous plaidons pour que la Belgique emprunte la voie du multilatéralisme pour atteindre ses objectifs, conformes d'ailleurs au traité de non-prolifération des armes nucléaires et à terme d'un désarmement nucléaire mondial. Je rappelle qu'il y a une résolution qui a été adoptée par ce Parlement en 2015, qui fait de la Belgique un acteur de cette dénucléarisation. Et donc, j'aimerais vous entendre là-dessus sur cet enjeu des armes nucléaires. Voilà, je vous remercie.